Bien, alors on va... Oui, j'ai commencé à la télévision, avec un 5 dernières minutes de l'époque de l'Oursay, de l'ORTF en noir et blanc. Moi, je crois que c'est un festival très spécial, très intéressant, parce que on rentre vraiment dans le travail de ce que vous avez fait, dans un trajet, c'est pas sur un film, on n'a pas le sens de quelque chose ou dans une direction seulement, vous voyez, on est vraiment sur votre travail et donc sur moi, sur mes 40 ans de carrière, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'il me semble que c'est la première fois où on fait le trajet avec moi, quoi, depuis mes débuts jusqu'à maintenant, et avec les films qui sont présentés d'ailleurs. Ce que je voulais vous demander, c'est que compte tenu de toutes les aides apportées au cinéma, pourquoi le cinéma français est-il en crise? Il pleut toujours, c'est mouillé, on parlait de la crise. J'ai toujours entendu parler de la crise du cinéma. Alors c'est des crises, elles sont pas les... Et quelque part, moi je trouve qu'elles, ce sont toujours les mêmes. On a des productions, on a des scénaristes, on a des acteurs, on a tout ce qu'il faut, on a des films, mais c'est au niveau de la distribution, c'est vraiment une catastrophe. Le côté de plus en plus argent, on dit mat télé, puisqu'on sait très bien que ce sont les télévisions qui sont dans le coup pour financer, et c'est vrai que ça s'est pas arrangé au cours des années. C'est plus que de l'utilité, c'est vital, il faut absolument, je crois qu'on a tendance un petit peu à partir dans de l'amateurisme dans beaucoup de choses, et quand on a quelque chose d'aussi professionnel et avec un regard d'intérêt à ce point, il faut absolument, moi je dirais que c'est des festivals qui remettent un peu les pendules à l'heure. Est-ce que vous pensez justement qu'être une actrice engagée, c'est plutôt un acte qui est dépassé de nos jours? Ça aussi, ça fait 40 ans que je l'entends. Parce qu'il y avait la grande époque, justement, engagée, pas engagée, message, pas message, cinéma commercial, pas commercial. Ça fait des ravages. Des ravages. Au niveau des comédiens, ça fait des ravages. Parce qu'on voit aujourd'hui où il y en a beaucoup qui n'ont pas de soucis avec tout ça. Moi, j'en ai jamais eu. Je crois que c'est le hasard. Vous travaillez avec des gens, vous aimez faire tel ou tel film, telle ou telle pièce, et ça embarque d'autres histoires derrière. Mais il n'y a pas vraiment de choix, puisque, comme je vous disais, j'ai fait l'Hôtel de la Plage et demain, je recommencerai une comédie avec autant de plaisir. Autant de plaisir. Donc, ce n'est pas un véritable choix, c'est la vie. Mais c'est peut-être le choix de la vie, alors peut-être. Voilà. C'est que vous donnez, peut-être on se dit, quand c'est difficile et qu'il n'y a pas d'argent, ben, vous la voyez, c'est possible. Ça remonte à l'enfance et au cinéma de quartier dans les fins des années 70, et ces émotions que j'ai pu avoir au cinéma, notamment par les comédiennes. Et à l'époque, je pense à Girardot, je pense à Micheline Prel, à des femmes comme ça, le cinéma italien un peu plus tard. Et donc il fallait choisir à un moment, quand j'ai créé Soudain des cinéphiles, un thème, et effectivement, par rapport à ces souvenirs, j'ai choisi les femmes comédiennes.